Madame la Présidente, chers collègues, le secteur de Bellevue est un carrefour routier important de notre périphérique. Il est aussi un axe entre le nord et le sud de notre métropole et du département. Et bien plus encore, c'est un passage routier obligé à dimension nationale entre la région Bretagne, le Choletais et le Poitou. Avec l'évolution démographique et économique de ces territoires, l'augmentation des échanges socio-économiques entre des agglomérations importantes de l'ouest de la France, les flux s'intensifient et nos infrastructures doivent s'adapter à ces évolutions. La concertation de la fin de l'année 2021 nous a permis d'identifier un certain nombre de moyens pour optimiser la circulation sur le périphérique, mais aussi pour limiter la congestion dans les centres-villes des communes riveraines, en particulier Basse-Goulaine et Saint-Sébastien, qui vivent tous les matins le passage de centaines de véhicules qui affluent vers Nantes via les bords de Loire et le pont Léopold-Sédar-Senghor. La ligne ferroviaire Nantes-Clisson permet déjà d'atténuer le trafic automobile sud-nord pour les habitants de l'axe de cette ligne, mais comme vous le savez, l'attractivité de la métropole nantaise va plus loin que cet axe géographique et beaucoup de travailleurs, faute de transports collectifs réguliers, sont contraints d'utiliser la voiture pour s'y déplacer vers leur lieu de travail. De plus, la traversée de la Loire, à cet endroit de la métropole, souffre de carences dans l'offre de modes de transport pour se déplacer entre les rives sud-est et les rives nord-est de la métropole. Ce projet peut permettre d'y remédier et de créer sur ce secteur de nouveaux réseaux de transport en commun. Pour se déplacer dans notre métropole, tous les chemins ne doivent pas passer par les Beaulieus. Et pour améliorer notre maillage territorial de modes de transport, nous avons besoin de mieux relier les communes périphériques entre elles. Pour toutes ces raisons, et dans l'attente des éléments supplémentaires sur les impacts du projet, nous sommes favorables à cet aménagement. Je vous remercie.